Salut tout le monde, c'est Terence44, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite visite de l'extérieur du château de Louis de Funès, dans la commune de Le Cellier. Juste avant, j'étais dans son cimetière avec sa femme. Je mettrai peut-être en photo de l'avant-première, à voir. Je suis à vélo tranquillement. Et regardez ça, le château, le voilà. Un endroit qu'on peut venir à pied tranquillement. Hop. Et voilà le château où il habitait et il tournait certains films. C'est juste magique. Hein, voilà. Et la petite avenue, elle est là. Tout le long jusqu'à là-bas. Et maintenant, c'est ici, on peut louer des chambres. Un petit moment, voilà, quand on voit la voiture, il y a un petit passage derrière, on a juste là-bas, il y a un restaurant. Et ben voilà, les touristes, hein. On va essayer de se rapprocher et je vous reprends juste un instant, le temps que je prends le petit passage en gravillon là, comme je suis à vélo. Et voilà, je suis arrivé devant le château où il habitait Louis de Funès avec sa compagne. Voilà, un endroit magique, c'est joli, il est propre. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau! Un espèce de petit lac. Il y a plein de poissons. Je sais pas si vous voyez. Si on voit un peu. Avec des poissons rouges. Avec le calme, la tranquillité. Regardez. Il y en a ici. On va faire une petite expérience pour voir si ça saute. Ben, il y a des poissons là aussi. Mais regardez. C'est pas magique comme endroit. Et à l'entrée du château, ben, c'est écrit qu'on peut, je crois, louer des chambres. Avec ces beaux petits sapins au fond là. Avec ses hectares et tous les champs autour lui appartiennent. Là il y a des vignobles. Là je sais pas, je crois que c'est il y a des chevals ou des chevaux, je sais pas comment on dit. Je sais pas, je suis un mec de la ville moi, je suis pas un gars de la campagne. Voilà. Écoutez le cam. On entend des crapauds ou des grenouilles. Ça fait du bien des fois entendre un cam comme ça en fait. Ça fait. Écoutez, il fait beau, il fait chaud. On prend des petits coups de soleil, même j'en ai déjà pris dans le sud. Je suis cramé là. Pour ça, j'ai un peu remonté ça. Parce que quand je pose dessus, ça me brûle sur ma peau. À vélo. Il fait plus de 28 degrés pour l'instant. La vague de chaleur est bien là. Et voilà. Je vais juste vous ramener jusqu'à l'entrée principale.
pour pouvoir montrer les panneaux où s'écrit Chamba, acheter ou louer, je sais plus. Et après on se quittera ici. Juste écouter les petits criquets ou ouais les criquets là, les. On n'est pas dans le sud, il n'y a pas les cigales. Regardez, là. Attends, je mets mon doigt. Juste ici, il y a une espèce de bestiole. Une grenouille. Et de la voix. Là. Mais je crois que je la gêne. Faut que je fasse un petit pas en arrière. Elle va faire un autre petit bruit. Regardez. Avec la cam totale. Ceux qui habitent là, je sais pas comment ils font pour supporter le grand cam. Moi, j'arrive pas. Moi, il faut que j'entende la police, les pompiers, les bus, la circulation. Voilà. On se reprend juste après. Je vais aller faire jusqu'à tout l'autre bout. J'ai coupé ou peut-être faire le petit passage à vélo avec vous. Et on va aller jusqu'à où il y a les boîtes aux lettres. Pas faire montrer le nom des gens. Mais faire montrer les panneaux où s'écrit allouer et tout ça, comme ça vous saurez si vous voulez passer un petit week-end ici pour appeler, pour venir visiter la commune ou Nantes. Hein. À côté il y a une départementale et de l'autre il y a l'autoroute et il y a le train, le TER, les TGV et d'autres lignes. A tout de suite. Bon voilà, je vous reprends. On va faire en roulant. Hop. Voilà, là c'est un chemin en fait qui quitte du château. Voilà, on va rouler sur du plat. Voilà le vignoble, comme je vous disais. Qu'est-ce qu'elle est douce l'herbe. L'air, pardon. Ouais, j'ai un petit peu mal encore à la gorge. Enrhumé, parce que dans le sud le climat il était plus chaud qu'ici ces 3 jours. Il a fait un UV de 8 et là elle est un peu moins chaud, mais je préfère la température bretonne, hein, franchement. L'air elle est plus nickel chez nous que là-bas. Ici c'est agréable à vivre, que dans le sud tu crèves. Je suis crémé partout. Que ici on est bien. Là on est bien, on est tranquille sur une petite route. Hop, des petits cailloux. Voilà, il n'y a pas grand monde. Écoutez ça. Hop, un petit dodon. Voilà les boîtes aux lettres, comme je vous disais. L'entrée principale. Et regardez, c'est écrit. Attends, je m'arrête. Je vais mieux prendre le téléphone. Ah voilà, déjà. Bon, c'est écrit ça. Il y a beaucoup de touristes qui y vont. Hein, ça, on peut rien y faire. Hein, on va pas s'empêcher. Et c'est là, regardez. Appartement à louer du T1 au T5 au 02. Voilà, je vous fais un peu de pub. Comme ça, si vous voulez aller louer pour un week-end ou pour plusieurs mois, c'est ici, le château de Louis de Funès. Les gens, si vous avez bien aimé cette
vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de vous abonner, c'est pas déjà fait. Voilà, il y a beaucoup de petites vidéos comme ça qui vont arriver dans les semaines, les mois à venir, comme c'est l'été, c'est le printemps, c'est la chaleur. Et voilà, leur poubelle avec une petite carte pour les habitants du château. Et il y a une ligne de car qui passe juste devant. On va essayer de faire un petit focus dessus, si ça marche. Bah c'est à Yilop, c'est la Badlang, château de Cole. Bah voilà, je vois pas très bien. C'est la ligne 346. Allez, ciao ciao.